refait son apparition sur le Bakel Live. Une vieille plaque soviétique. Lénine a vécu. Lénine vit. Lénine vivra à jamais. CCCP. Un trésor. Je sais que j'ai déjà accepté des boulots illégaux et que ça ne te plaît pas. Mais je pouvais pas refuser ce contrat. Ça fait des années que j'essaie de décrocher un job pour les Trinitaires. Ils sont discrets, paient bien, et il y a toujours quelque chose à faire. Mais maintenant que j'y suis, je veux tout plaquer. Nous sommes dans une installation soviétique désaffectée au beau milieu de nulle part. Personne ne dit ce qui se passe aux Troussions que nous sommes. Mais je me demande si je suis pas en train d'aider une bande de cinglés à mettre la main sur une bombe nucléaire ou un autre truc dans le genre. Réponds-moi si tu reçois ce message. J'ai sécurisé un canal sur le réseau. J'aurais imaginé qu'une opération de cette envergure aurait un système de sécurité digne de ce nom. Mais ce doit être pour ça qu'ils m'ont engagé. Genre, y'a rien d'autre. Oh, oh, des pièces de flingue. Oh, pièces de pistolet solide. J'aime comme les mécaniques ressemblent à celui du 1. Et la peinture blanche est restée la même. C'est aussi pour ça que je dis que les griffons, c'est... Que les griffons, ça tue les rats. En vrai, c'est des putains de salopes. Un Colt. L'armée rouge arrive. Cela fait des semaines que je les observe. Tandis que des centaines d'hommes construisent le monstre de fer sur la glace. Beaucoup d'entre eux sont morts, leurs corps gelés, éparpillés dans la toundra. Aucun rite funéraire, pas d'enterrement ni de crémation.
Ces envahisseurs sont des hommes cruels et sans foi. Viennent-ils pour piller les métaux précieux de la montagne? Ou, comme tant d'autres avant eux, sont-ils attirés par la source divine? Mon peuple doit à nouveau se préparer. Ils auraient pas pu faire semblant qu'il y a des écritures sur le truc. Enfermé. Il faut. Oh non. Non, non, non. Je veux bien, mais il me donne pas de crochets, monsieur. Je t'avais confié cette mission. Oui, monsieur. On s'attendait pas à autant de résistance. Tu étais censé être mes yeux. Tu devais regarder pour moi. Est-ce que tu as bien conscience de l'enjeu de cette opération? Oui, mais... Non. Je ne crois pas. Comment quelqu'un comme toi le pourrait? Doucement. Ouais, mais si tu tues tes hommes, monsieur... Alors là, je mettrais tous des lunettes. Hein. D'ici peu, nous toucherons au but. Mais il faut que nous restions vigilants. Si nous y parvenons, un nouveau monde verra le jour. Un monde dont nous serons les créateurs. Constantin, vous êtes attendu à la prison tout de suite. On a un captif qui a l'air d'en savoir long sur l'artefact. Restez fidèles, et vous partagerez la gloire de la source divine. Restez fidèles, et je vous crèverai peut-être pas les yeux. Au secours! S'il vous plaît! Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Que personne ne le touche. On a une nouvelle fuite de carburant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce truc a plus de 50 ans. On n'a pas encore réglé notre problème de... Cette attaque, on peut pas se permettre d'avoir plus de pertes. Ok, je m'en occupe. Faut maintenir ça en place. Pendant que je fais levier. Mais merde. Le raccord est bousillé. J'ai besoin d'un coup de main. Qu'est-ce que je peux faire? Ah.
Il n'y a pas d'autres panneaux dans le coin. Faut pas faire de bruit. Tellement le feu à tout ça. D'ailleurs, je crois que le jeu veut que je mette le feu à tout ça. Il semblerait que ce soit mon but dans la vie. Foutre la feu. J'avais presque oublié, toi. Et sur qui tirait depuis tout à l'heure? Ah, vous savez pas qui je suis ni où je suis, mais vous savez que je suis une femme. Le mec a volé tellement loin. Ah voilà. Peut-être le retrouver de l'autre côté de la barrière. Cadavre. Cadavre. Lapin. Constantin, l'homme qui a tenté de m'éliminer en Syrie, est ici. Il est violent et dangereux. Mais le pire, c'est qu'il semble se consacrer corps et âme à ses croyances tordues. Apparemment, il a le chic pour se brouiller avec les fanatiques religieux. Mais j'imagine que ce lieu n'y est pas étranger. Qui d'autre se mettrait en quête du secret de la vie éternelle ? Via la radio, ces hommes ont parlé d'un prisonnier détenant des informations. S'agit-il de l'un des habitants que j'ai rencontrés? Et que sait-il? Les Trinitaires ne seront pas tendres pour le découvrir. Je pourrais peut-être le retrouver, le questionner sur ce qu'il sait. Il pourrait être judicieux de gagner la confiance des natifs.
Ça me semble judicieux en effet. Encore je suis sur la corde. Canon poli. Je vais me faire repérer si je passe par là. Il doit bien y avoir un autre accès. Ouais, à flanc de montagne, j'imagine. Le truc, c'est que le jeu a même pas pris la peine de mettre sur la carte la route normale. C'est, tu n'y passeras jamais. Nique ta race. T'as dit nique ta race, Baquet. T'arrêtes maintenant. Ne tirez pas. Je ne suis pas hostile. Qui êtes-vous ? Tout ça peut attendre. Si vous voulez des réponses, écoutez attentivement. On a réussi à détruire l'ancienne tour radio, mais ils restent en contact grâce à des antennes relais. Il faut les neutraliser. Aidez-moi, et je dirai aux autres qu'ils peuvent vous faire confiance. Je vais y jeter un œil. Parfait. Le temps presse. Indicateur de mission facultative. Attendez, attendez. On va déjà fouiller la zone, après le temps pressera autant que vous voulez. Parce que j'ai gagné, mais j'ai gagné. Oh le coucou, les machins communistes. Coco. Là, si vous l'avez pas vu, le narratif de Troc Pico 5, joueur du grenier, tellement bon. On n'utilise pas le... J'ai rien à dire. Faut le crochet.
J'ai réussi à infiltrer les rangs ennemis, et j'ai appris qu'ils venaient piller les richesses de la montagne. Ils semblent ne rien savoir du secret que nous protégeons. Ceux qui ont construit la route de fer sont eux-mêmes des prisonniers, les esclaves de l'armée rouge. D'énormes machines empruntent désormais la route de fer, acheminant plus d'esclaves, de nourriture et de matériaux pour la construction d'une petite ville. Je dois maintenant rejoindre mon peuple, afin que nous puissions mettre en place notre attaque. Si nous arrivons à leur infliger de lourdes pertes avant qu'ils n'atteignent la montagne, ils abandonneront peut-être et feront demi-tour. Ça dépendrait un peu, hein. Décryptage du russe, niveau 2, ici. Vous avez terminé? Les émetteurs sont détruits? Je ne les ai pas encore tous trouvés. Mais je m'en occupe. Ross insiste pour que j'apprenne à tirer. Il a essayé de me montrer aujourd'hui. C'était une catastrophe. Comme je dis toujours, sur le terrain, une canne et de bonnes bottes sont tout ce dont on a besoin. Je lui ai dit que mon domaine de prédilection était les mots, pas les armes. Il a ri et répondu qu'il espérait que je saurais trouver les mots nécessaires pour ralentir la charge d'un bison. J'ai rétorqué que c'était pour ça qu'il était là, mais je lui rends grâce d'avoir essayé. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres leçons. Ross a toujours dit que je devais tenir mes yeux perçants et mes mains stables de maman. Cet été-là, c'est à moi qu'il a appris à tirer. J'ai été une bonne élève. Peut-être un peu trop. Bah, vu comment ça t'a servi après, je dirais que c'était plutôt bien, non ? Je suis pas un fanatique des armes, mais... moyen d'actionner. Vous avez terminé? Les émetteurs sont détruits? Je ne les ai pas encore tous trouvés. Mais je m'en occupe. Ah non, tu t'en occupes pas, j'en ai pas encore cherché un. Pourquoi tu mens? Lara. Voilà, trois lourds au moins. Je m'en veux tellement. Enfin, là, il m'attaque. Mais c'est des loups, quoi.
force de l'arc à la pluie. J'aime les arcs, j'aime les poulies. Tout naturellement que j'aime les arcs à poulies. Attendez, il y avait un gros X là. Tu as été la première à faire briller l'étoile du progrès. À la gloire des cosmonautes. Je prends le talent pour pouvoir rouler quand je tombe au sol. Les Trinitaires cherchent la source. Je dois découvrir ce qu'ils savent à son sujet. Bah, dis-moi pas que je suis le bon chemin, là. Fou de la tyrolienne. Au moins deux tyroliennes. De malade. Ah non, je peux pas y aller. Pas moyen de l'actionner. Pas grave, au moins on trouve des champignons. Ah,
reste encore une. On va prendre 4 secondes devant le feu. J'espère que tu recevras ma dernière bande à temps. Je prends de plus en plus de plaisir à enregistrer ces messages et à te les envoyer. Anna dit que je dois sortir le nez de mes livres et de mes articles de temps en temps. Ne serait-ce que pour me rappeler pourquoi je fais tout ça. Pour qui surtout. Je sais que tu détestes que je m'absente, mais tu comprendras un jour. Tu verras que c'était utile. Je t'embrasse très fort. Travaille bien à l'école. Je sais que tu pensais faire ça pour moi, mais je ne le ressentais pas comme ça à l'époque. Normal. Enfin, ça m'a appris à être indépendante, à me débrouiller toute seule. Ça s'est révélé très utile, finalement. Hey, salut Colden, bienvenue sur Bacal Live. Eh ben, c'est pas la grande forme, mais ça va, et toi? J'aime bien le « c'est pas la grande forme, mais ça va ». Ça n'a aucun sens. Ah, c'est pas la grande forme. Même si je pense qu'au final, c'était plus une intoxication alimentaire que... que autre chose. Disons que j'ai passé une partie de la nuit dernière à vomir et que j'ai passé une partie de la journée à dormir. Ce qui pour moi se résume à je suis malade. Avoir ça. Il y a peut-être un moyen d'accéder à l'ancienne prison. Je veux pas y aller. Et de comprendre peut-être. Ces inscriptions. Ce n'est pas du russe. Un avertissement peut-être. Et toi, Colden, comment se passe ton week-end? Non, parce que moi, je peux me plaindre, mais... à la limite, ça fait 3 heures que je joue, bientôt... Ah. On dirait qu'ils sont partis précipitamment. Est-ce que les soviétiques auraient trouvé quelque chose? Il y a de l'eau en dessous. Et pas qu'un peu. Une pièce d'or frappée à l'image d'une ville. Et voilà le prophète. Ça devait être la monnaie officielle de Kitej. J'ai joué il y a longtemps et j'ai jamais vraiment fini ce genre jusqu'au début. Pourtant, c'est un jeu qui se finit assez vite au final. Hein. Le premier se finit en... ah, on va être gentil, on va dire 6-7 heures. Ah,
en étant un peu débile comme moi. Je jugerai pas le deuxième, je viens de commencer. Mais... Le visage du prophète frappé dans l'or. Les orfèvres de la cité commençaient à développer leur propre style. Mais on reconnaît l'influence. Comment ça, le visage ? Le symbole ? Ah oui, t'es vraiment au tout début alors. Après, faut avouer que c'est la partie chiante.